m'a confié la mission de vous montrer les environs. Eh bien, selon moi, la meilleure façon d'apprendre est de s'exercer. Donc, vous pouvez vous installer sur le siège du conducteur pour ce trajet. Avant que nous atteignions la fin du triage, je vais contacter le régulateur pour l'autorisation de partir vers Hindman. Mettez la locomotive en route et nous partirons lorsque vous serez prêt. Ici X551, nous demandons une autorisation pour un parcours du terminal de Cumberland à Hindman. À vous. X551, en respectant les indications des signaux, allez du terminal de Cumberland à la gare de Cumberland. Attendez là-bas le passage du U116 en direction de l'Est, puis continuez vers Hindman. X551. En respectant les indications des signaux, nous allons du terminal de Cumberland à la gare de Cumberland. Nous attendrons le passage du Q116 en direction de l'Est, puis nous continuerons vers Hindman. Terminé.
Ici X551, nous sommes prêts à continuer vers Einmain. À vous. X551, en respectant les signaux, nous continuons vers Einmain. Terminé.
Voici les Cumberland Narrows. C'est fou qu'ils ont été creusés par la Wills Creek. Enfin, heureusement pour nous, sinon il aurait fallu 16 km, 10 miles de voies supplémentaires pour contourner ces collines via Crossupton. Les inondations sont nombreuses ici à l'automne. Elles sont assez importantes pour emporter la route et les rails, bien que les choses se soient améliorées avec les années. Maintenant, la rivière coule dans une boîte en béton, mais elle déborde toujours de temps en temps.
Nous allons bientôt traverser la ville d'Ellerslie. Il n'y a pas grand-chose de remarquable ici, mais ce parcours des Narrows jusqu'à Hindmain est notre dernière chance de nous assurer du bon fonctionnement des freins du train avant d'entamer la montée jusqu'au sommet de Sandpatch. La descente peut aussi être dangereuse. Après les courbes de Glencoe et Fairhope, vous allez être heureux de voir Hindmain droit devant. Restez sur vos gardes, cependant, une vitesse trop élevée et vous vous retrouverez dans le fossé au niveau de la courbe de Corganville. Vous faites de l'excellent travail pour l'instant. Continuez comme cela.
Vous avez sans doute remarqué que sur Sand Patch Grade, nous longeons souvent Wills Creek. Ces collines ne laissent pas beaucoup de place pour les rails. Ici X551, nous approchons Einmain. Nous demandons l'autorisation de nous arrêter et refouler sur la voie de service à Einmain. À vous. X551, en respectant les indications des signaux, arrêtez-vous et refoulez sur la voie de service. À vous.
X551 en respectant les signaux, arrêt, puis nous refoulerons. Terminé. Nous traversons Einmain. La voie de service devrait bientôt apparaître sur le côté droit. Elle s'étend jusqu'à l'extérieur de la ville. Arrêtez-vous après l'aiguillage. Nous allons refouler sur celle-ci et nous atteler au wagon présent.